Allez, go, on enchaîne sur la machine à sous 4 gangsters. Donc ça, c'est un jeu qui me réussit généralement bien, mais bien sûr, ne pas oublier que c'est une machine à sous. Donc sur le bénéf long terme pour le casino. D'ailleurs, je vous montre vite fait la tête du patron. Hop, voilà, il est content quand les joueurs y perdent. Alors, 4280, est-ce qu'on va se faire torcher ou est-ce qu'on va gagner? 37,50, 50 balles. 50 balles. J'espère que Mister Cat il va être généreux. Petit bénéfice réalisé difficilement sur le précédent jeu, le Pandora, bah il est parti, déjà, il s'est déjà barré. Les machines à sous 4 gangsters, généralement je suis chanceux avec ce jeu, mais. Généralement c'est entre parenthèses, car on sait très bien que sur le long terme, c'est le casino qui gagne. Spin, free que dalle. Bon ben moins 1000 depuis le début de la partie, c'est pas mal. Enfin, c'est pas mal pour le casino. Ouais, les 3 skatés pour un big une sur le jeu de base, ce serait pas mal parce que là, quand même, bon, on va baisser un peu les mises. Parce que... On va défoncer un peu moins vite. La minette 225. On est quand même loin du gros big win. Pas de free game, c'est la misère niveau win. Big win sur le jeu de base, c'est pas trop d'actualité pour le moment.
Eh ben sans déconner, début de partie à 4280, on est à 2003. Alors, est-ce que le patron du casino est en train de regarder les statistiques admises, en train de voir, tiens, ben lui il est en train de perdre. On va faire un petit coucou vite fait au patron. Salut mec, t'aimes bien plumer les clients, ben tu m'étonnes. Alors, dommage pour le rouleau 4, mais ce qu'il nous fait. Ok, du coup ça flash. 500 balles. 150 balles avec la minette. Tendance au défonçage du solde. Série de spin perdant, série qui paye pas grand chose. Alors on va tenter ça, mais peut-être pas une bonne idée. Ah, bah, tout compte fait, je crois pas que c'est une bonne idée d'augmenter les mises. Sans déconner, la série de spins perdants, il va même raquer des trucs quand même. Alors, le minou qui se barre avec les sacs, ce qu'il nous fait sur un spin à 75. Ça va nous faire un win sympathique, mais tant mieux parce qu'il était quand même temps. Alors, 1050 remonte à 2008. La minette 285 remonte à 3002 quand même. Bon, il semblerait qu'on soit pas très chanceux sur cette partie actuelle. Alors, yes! Free game à 37,50, bah, il était temps. Bon, si ça rack, après ça on se barre. Enfin, espérons que ça rack. Allez, c'est parti in the city. 5 free game x 7 top. 7 free game, 10 free game, 15. 3, 5, 7, 2, 3, 5. On va prendre celle-là. Allez, go. Alors, est-ce que c'est un bon choix? On va voir. Alors,
sont où les wild multiplicateurs? Ils sont pas là. Wild x 7, 0 x 7 égale 0. x 3 x 3. Ouais, ça a l'air un peu misérable niveau free game, il en reste 3. La minette, dommage pour le rouleau 4. Voilà, quand même, c'est un peu les free spins de l'escroquerie, hein, pas grand chose niveau win. Alors, là ça va peut-être tout changer, x5 avec King Kong. Eh ben tant mieux, il était temps. Bah, après ça, je pense qu'on se casse, on va pas en demander plus. Peut-être 2-3 spins comme ça vite fait, mais... Alors, joli joli, et ben on repart dans le BNF, tant mieux. 2805, merci King Kong. Voilà, sur le dernier spin, le 10ème, donc... S'il n'y avait pas eu ce dernier spin chanceux, on serait mal barré. Allez, 5006. Spin numéro 1, rien. Petit win. Allez, spin numéro 3. Numéro 4. Allez, numéro 5 et dernier qui nous donne rien. Quand même, remonté à 5480, sacré coup de bol. Donc merci Mister le patron du casino, bah, tu vas faire la gueule, bien fait pour toi. Hop. Alors on verra pour les prochaines. Là quand même pas trop mal, un petit peu difficile quand même. Allez, c'est l'heure de tirer le frein à main et on verra pour la suite.